comme dans le sport, ça va pas nécessairement bien tout le temps à l'école. T'sais. J'en ai eu des échecs à des examens intra, là, ça arrive à tout le monde. Donc, puis je voulais vraiment pas abandonner. Je pense que j'ai adopté la même attitude que j'avais dans le sport, mais au niveau académique, j'ai étudié, je pense, pendant un mois de temps, 3 ou 4 heures par jour pour juste réussir l'examen. Puis j'essaie vraiment de cerner qu'est-ce que j'avais fait de mal pour pas réussir l'intra au mois de février. Donc, j'ai vraiment donné mon 100%. Puis j'étais prête vraiment à passer des heures puis des heures pour comprendre les problèmes. Puis quand je suis arrivée à l'examen final, bien, j'étais vraiment prête. Je savais que j'étais vraiment prête puis j'avais aucun regret. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Ça m'a permis de réaliser que, tu sais, dans le fond, rien n'était possible. Là. Si tu es prête à donner les efforts puis à donner ton 100%, bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut accomplir.